pas le droit à l'erreur, représente la France. C'est chaud. Un doudou. Bien sûr, c'est un bonheur. Prenez complète. Voilà, c'est le doudou par chance. Ça foire, moi j'ai pas de doudou. Ouais. Prête. On va hit. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut passer en finale, il faut hit. Hein. Parce que d'habitude, il n'y a pas trop de pression dans le sens où y a, c'est un passage et c'est directement la finale. Alors que là, on a une demi-finale et si on est dans les 10 premiers, on est qualifié. Sinon, non. Donc, ouais, y a un peu un petit stress. Même, en vrai, je pense que le classement, je m'en fiche un peu. Mais la seule chose que je veux, c'est qu'on hit vraiment la routine et qu'on y arrive. Attends, mais t'es stressée. Elle est dans mon sac, moi. Je suis stressée de fou. On va hit, on va tout déchirer. Bah l'année dernière, je suis pas stressée du tout parce que je l'ai regardé et tout, c'était bien. Mais la plupart. Parce que là, tout ce qu'on s'est préparé pendant toute l'année, bah, c'est pour aujourd'hui. Quoi. Donc voilà, c'est le moment de. C'est le moment d'y aller. Forcément, je suis assez excité ouais, de passer sur la scène et tout. Le niveau est vraiment très haut cette année. On a la difficulté. Ce qu'il faut qu'on travaille vraiment, c'est sur la propreté. Être bien sharp pour pouvoir récolter un maximum de points. 1, 2, 3, 4. Bleu, blanc, rouge. Allez, la France. Bleu, blanc, rouge. Allez, la France. Le moment du layout. Pour que vraiment vous preniez l'habitude de ne pas lancer en vous déplaçant. Ok? Donc allez-y, mettez-vous au salto arrêt tendu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Pensez à ne plus vous mettre trop loin vu qu'il n'y a plus de déplacement. Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Un objectif? IT. Parce que c'est pareil pour moi. L'objectif c'est de IT et d'avoir de faire une routine pour laquelle on sera fier. Voilà. Pensez à réagir plus vite pour rattraper le stade parce que là vous avez laissé partir pendant 5 temps. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 7, 8, 1. Ok, c'était bien. Léa, attends un peu, t'engages trop vite, t'as ton double, tu laisses pas le temps de popper. Rapidement, la pyramide du running, s'il vous plaît. Avec ce qu'on vous a dit hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, On se donne rendez-vous là-bas, où on était hier pour la cérémonie d'ouverture. En tenue En tenue, maquillée, coiffée, tout ça, tout ça. C'est super chaud. Le warm-up est très compliqué avec la chaleur, en plein soleil, c'est très dur. Mais j'ai confiance, franchement, on a une putain d'équipe, on a une putain de routine. On commence cette challenge ensemble et on est heureux. J'ai hâte de montrer au monde ce qu'on a dans le ventre. Ouais. Allez, 4, 3, 2, 1, 2, 3.
écoute, il y a beaucoup de raisons de être fier. Ok. Quand vous avez commencé, c'était fort. Il y avait beaucoup d'énergie. Mais si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas, n'êtes pas distracté. Don't be distracted. Et à mon avis, ça c'est quelque chose qui est arrivé. Ok. Mais vous avez une autre journée. N'est-ce pas? Ouais. Je suis fière de vous, les gars. Nous sommes trop fiers. Vous avez bien fait les placements. Oui. On doit compter, hein? C'est juste ça. Vous avez tout le skill, tout le technique, tout. Mais vous devez compter, c'est tout. En tout cas, moi, je vous ai entendu encourager. Oui, oui. Avec mon équipe l'année dernière, on avait seulement une chance. Vous êtes si chanceux d'avoir une autre possibilité et vous devez, et vous maintenant sachez de ce que tu dois améliorer pour demain. Ok? Alors ne chicanez pas parce que vraiment la drame, ça n'a aucune place ici. Nous sommes fiers de vous. Ok? Et je vais vous voir à la prochaine partie que vous avez. Et je vais être là. Ok? Je vous aime. La sensation praticable, c'est incroyable. Bon, moi, mon groupe, on n'a pas été. Ça, c'est juste décevant. Mais on a une autre chance. Donc, je suis quand même hâte de remonter sur le praticable. Mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir tweeté. C'est toujours mieux, de toute façon. Stressant, mais après, ça a été. Arrivé sur le praticable, quand on a commencé, ça a été. Ouais, juste stressé pour trop, en fait. Ah, c'était top. J'ai adoré, franchement, c'était l'un de mes meilleurs moments. J'espère que demain sera le deuxième meilleur moment de ma vie, donc voilà, hein. Croise les doigts, on reste confiant. La première partie de la routine, le scan jusqu'au tumbling, c'était vraiment, mais vous étiez là, vous étiez vraiment là, vous êtes battu, bravo, c'était vraiment beau. Donc après, certes, il y a des chutes, voilà, vous avez laissé, comme on disait juste avant, des petites chutes, vous perturber, et du coup, vous avez tout fait dans la précipitation derrière, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. C'est juste pour ça. Des 720 qui ne tombent jamais, voilà, vous êtes juste laissé emporter par la précipitation. C'est pas grave, tant pis. Peut-être qu'on ne sera pas qualifié pour demain, mais c'est pas grave, vous avez donné tout ce que vous aviez sur le moment même. Il faut que... Manu, arrête de pleurer. Ça sert à rien de pleurer, s'il vous plaît. Il nous reste, c'était la première compétition, on se chie toujours sur la compétition ICU. Mais essayez toujours, tomber c'est humain, l'erreur est humaine. Donc ok, vous êtes tombé, ok, ça fait chier parce qu'il y a eu plusieurs chutes, mais en dehors de ça, c'est pas grave. L'échauffement ça a été, vous savez que vous êtes capable de faire. Ne laissez pas cette compétition vous démoraliser et vous plomber le moral, ça sert absolument à rien. Vous savez le faire, c'est juste que vous paniquez. Mais j'ai envie de vous réaliser que notre routine elle est vraiment difficile. Ouais. Là, on est l'équipe qui passe le cap. À chaque fois qu'on fait un world, on passe un cap. On passe le cap des TikTok, on passe le cap des 720. Et enfin, voilà, c'est la première année qu'une équipe en France le fait. Donc, s'il vous plaît, c'est normal qu'il y a des chutes. C'est les caps à passer. Pour moi, ce qui nous manque, c'est juste l'expérience. Les autres équipes, ils ont plein de compétitions chaque année. Dans l'année, ils ont au moins 10 compétitions. Donc, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un tomber, aux premières compétitions, ils vont dire merde et tout. Et là, ils vont paniquer. Et nous, non, on n'a que les qualifs. Après les qualifs, c'est les worlds. On n'a pas l'expérience de voir quelqu'un tomber et de rester concentré sur nous. Donc ça, à chaque fois, il faut qu'on l'oublie. Ça ne s'est pas passé au qualif, tant mieux pour nous. Ça s'est passé maintenant, mais les autres compétitions, il faut qu'on apprenne de ce qui s'est passé. Déjà, j'aimerais que vous ayez tous la banane parce que vous avez une routine qui est extrêmement technique, extrêmement difficile. Vous êtes la première équipe en France à faire tout ça comme élément technique et c'est énorme. Alors oui, effectivement, devant ICU, on est impressionné tout ça, mais s'il vous plaît, au moins pour ceux qui ne sont pas là, soyez avec une banane et soyez fiers de ce que vous avez fait parce que vous avez réussi les trois quarts de votre routine. Les trois quarts de votre routine, c'est énorme. Ok, le 720, vous avez tous flippé avant de le faire, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous reconstruire mentalement et la prochaine fois, ça va passer. Enfin, en France, on n'a jamais été au top comme ça, comme vous l'êtes. Voilà, techniquement, vous êtes... Voilà, maintenant, on peut vraiment s'aligner sur l'international. Vous avez réussi à atteindre le niveau international et vous pouvez en être fiers, vraiment. En tous les cas, moi, je suis fière.
quand il y a eu les premières chutes, il n'y a personne qui a dit au groupe « Allez, allez, allez !» En fait, vous êtes restés, enfin, chacun est resté individuellement dans son groupe. Vous avez vu ce qui se passait autour, mais vous êtes quand même resté dans votre groupe. Et du coup, vous êtes dit « C'est tombé, c'est tombé !» Et plutôt que d'encourager, de crier sur « Allez, allez, vous pouvez faire !» Personne n'a rien dit de toute la routine. Kenny, c'est vrai, quand il dit juste avant la pyramide, vous avez 5 temps pour hurler, allez, quelqu'un, peu importe qui. C'était de ça qu'il parlait. Que ce soit dans la pyramide ou dans les stunts, c'est pareil. Donc vraiment pensez, il n'y aura pas de chute la prochaine fois, mais pensez-y. Bah, on a beaucoup de chutes, mais on a quand même bien commencé par avoir début de l'année. Donc, il faut qu'on voit nos étudiants et qu'on arrête de stresser pendant le petit moment. Voilà, je peux comprendre que les personnes soient déçues par rapport à leur chute et tout, mais voilà, il faut quand même rester réaliste et être fier de tout ce qu'on a accompli depuis le début de la saison. Ça n'a rien à voir avec le niveau de l'année dernière et on a quand même progressé au niveau tous individuel et au niveau groupe. Donc certes, on est tombé, mais on sait faire. Donc on espère que ça ira mieux demain, ce soir déjà à l'entraînement, demain et les prochains jours. Et, jusqu'à la fin de la saison, enfin, c'est l'objectif. L'année dernière, en All Girl, on avait été à ICU. Donc c'est vrai que ça fait un changement. Là, bon, il passe, c'est pas grave. C'est vrai que cette année, on a beaucoup plus de difficultés dans la routine. 1, 2, 3. Bien sûr, je suis déçue. Je vais pas être contente parce qu'on a raté. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a SF. On a encore le temps de tout déchirer. Quoi. Donc on a eu les résultats, on finit 17e, sans grande surprise, hein, on a pris énormément de risques avec la routine cette année. Malheureusement, on a eu des chutes, donc c'est vrai que ça aurait été mieux de rater le warm-up et d'avoir des chutes, au warm-up et pas à la compétition. Après, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on n'avait pas eu notre raté de l'année en co-ed, généralement c'est au qualif. Les qualifs, on les a réussis super bien. Voilà, malheureusement, ça tombe ICU. C'est pas de chance. Après, on tombe toujours à ICU aussi. Moi, j'ai regardé la plupart des routines aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas spécialement énormément de difficultés dans la moitié des équipes, on va dire. Mais le truc, c'est que c'était vraiment très propre. Après, voilà, on a tous voulu mettre de la difficulté, que ce soit nous en tant que coach ou vous en tant qu'athlète. Voilà, après faut en assumer les conséquences. Score total, du coup, on a eu 429,50. 8 sur 800. C'est un tiers des compétitions qu'on fait ici. Donc je sais que c'est ICU, je sais qu'on aurait aimé que ça marche, mais c'est pas grave. Faut vraiment oublier ICU, passer sur en mode IASF. Et vraiment reprendre confiance en vous parce que ce qu'il y a dans la routine, vous savez le faire. Donc on va forcément faire quelques petits ajustements pour IASF. Mais vraiment, demain on est plus ou moins en repos. On aura entraînement que le soir. Pensez à autre chose, vraiment. Amusez-vous, profitez de votre journée. Et comme ça, quand vous revenez le soir pour l'entraînement, que vous soyez à fond dedans. On a le show-off Spring Tumbling demain.